I'm going to show you how I engineered my fame to be able to go wherever I want, do whatever I want, and live my life as a celebrity. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Hein, si on est juste arrivé, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu peux t'abonner et mettre un petit j'aime. Si ça te fait rembourser, tu peux retirer le j'aime à tout moment. Et si ce jour-là, tu as l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, passe à l'action, crée ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 ans en semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque. Regarde quand même. Et ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Et dedans, j'ai rajouté en plus des bonus sur l'e-commerce, investir dans l'immobilier, investir dans les startups. Investir dans des cryptos, tu as tout ce qu'il faut. Si tu veux en savoir plus, tu peux avoir un appel offert. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions. Voilà. Et si jamais ça t'intéresse, vraiment, si tu veux aller plus loin, on te donnera les accès à Pirate Marketing et après, ça prendra du temps. Ce sera long. Hein, qu'on soit clair. Hein. Et pas d'excuses, j'ai grandi à l'époque dans 80 ans, j'ai redoublé mon BEP être technique, arrêtez de chialer les gars. J'ai découvert le business en une super tard, j'avais plus de 30 ans. Maintenant je voyage, ça fait plus de 3 ans je crois, donc arrêtez de chialer les gars. Si tu fais rien, il va rien se passer, passe directement sur la vidéo. Est-ce que les femmes sont attirées par l'argent? Je sais que, bon, tu connais déjà mon point de vue par rapport à ça. Est-ce que les femmes sont attirées par l'argent? Non, moi j'ai déjà dit, moi mon avis, non. Tu vois, enfin, pas exactement. Hein? Et donc du coup, il y a un gars qui a fait une expérience sociale. Ce qu'il a fait en fait, c'est que il a fake le fait d'avoir des followers. Il faisait un live et genre il avait des followers, ok. Et après, il a commencé. Il était dans une soirée, je crois. De toute façon, tu vas voir ça, ok. Donc tu regardes la vidéo et après on en reparle. I'm going to show you how I engineered my fame to be able to go wherever I want, do whatever I want, and live my life as a celebrity. In my goal to become famous and live my life like a movie, I decided that if I had thousands of people on my live stream on a social platform, surely people would know that I was a famous person. I decided to create my own version of a live app that looks something like a Facebook, Instagram, and Twitch Live, something that resembles these three other platforms. It's not a duplicate. No, not a duplicate for legal purposes. It is a resemblance of these other platforms, except I can now make it so it looks like I have tens of thousands of viewers. Why are there so many people on here? You guys, we're out here right now. I just sat with a coupe with a bad bitch. Pull up that line like a savage. I get a drill like a body. I get a drill. No, boy, I look really mad. Boy, I look bad. This is live. No. This is live. And yes, eventually people asked me what my Instagram account was. They wanted to follow me, makes sense. And I had to put on my best LA impression and go, oh, well, I want to live in the present right now. I don't give out my social accounts in person. It's a thing I just don't do. I'm sorry. I never tell people in person my follow or who I am. Unfortunately, that convinced them even more that I was someone famous, which kind of makes sense in a weird way. We hit the clubs, and when we got there, there was a long line. I'm a celebrity, I don't wait in lines, no. I walked right to the front, and this is what happened. Right now we're at capacity, I'm only letting So I have 45,000 people watching on Instagram Live, and they want to, I just want to show them the back row. We'll do that? Okay. I promise this is my friend yet. I don't want to let my Instagram down. We can definitely like give you guys a huge shout out. It's totally fine. Wow, right, nice. Blackbird. We would love your shout out. I'll walk you in the back. Okay, all right, let's go. They brought us right to the table. They gave us VIP treatment. Hello. Holy s***. You have so many viewers. Who are you? I'm Ethan. I'm Priority. Wait, how many viewers does he have? 49,000. Who are you? Who the f- I'm Ethan. But as a good celebrity, I made sure to take photos with my fans. And that's when things got kind of crazy. People were fighting to get photos with me, so we decided to leave. After I left the club, a girl must have followed me with her friends and came up to me and said that one of her friends was more famous than me. Are you TikTok famous? Yeah, she is. That one. I bet you have more TikTok famous. A million followers. I have more than a million. So the famous friend proved that she was TikTok famous by doing a little renegade, and I told her that all my streamers just saw her. When she saw how many I had, she knew I wasn't joking. What? All 46,000 streamers saw you. Wait, that's not funny. Wait, oh my god, it's live. What up, Shay? What up, Lynn? How many people on your live right now? 46.5K. No, no. Can I actually see that? Wait.
Wait, I'm famous. No, immediately by No, he's not kidding. He's not kidding. I know, that's why I don't want to be on. Wait, anyway. Can I see your TikTok? I have to see. What do you post? This is my Instagram right now. Why are you famous? Donc cette expérience confirme exactement ce que les gars j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours, je vous ai toujours dit. Il y en a qui disent ouais, il n'y a que l'argent, etc. Si la meuf, elle est attirée par toi pour l'argent, elle est attirée pour les mauvaises raisons. Et elle ne restera pas avec toi en fait. Alors oui, évidemment, quand tu as de l'argent, tu vas attirer des femmes. Mais enfin, si c'est pour payer des femmes pour être avec elles, ce n'est pas l'objectif les gars. Hein? À un moment donné, une des choses importantes à savoir dans la nature féminine qui est assez vaste, hein, c'est complexe. Hein, de toute façon, tu as Zeus en description pour pouvoir aller plus loin avec ça. Les secrets de la nature féminine, c'est que la femme est hypergame, donc elle aime être avec le gars, tu vois, le gars qui est confiant. Donc en fait, la femme, elle est attirée par un gars qui est confiant, qui a des compétences sociales, ok, qui est aimé de tout le monde. Si jamais, par exemple, tu vas en date et que t'arrives dans le restaurant, tu connais le barman, tu connais le serveur, et dès que t'arrives, alors comment ça va Gérard? Bien quoi, bien? Ah non, je suis là, tranquille, tout ça, ouais, là, t'es là, tout le monde te connaît, le petit là, oh alors, ça fait longtemps, tout ça, nani. Forcément, direct, ça apporte plus de valeur. Elle te perçoit différemment, elle dit, ah oui, lui, tout le monde l'a bien, il a l'air d'être connu, là, lui, hein, tout ça. Tu vois, les meufs sont attirées par tout ce qui est preuve sociale. Si jamais tout le monde t'aime, elle va t'aimer aussi. Alors qu'au début, peut-être qu'elle ne t'aura même pas calculé. Hein. J'avais vu une autre vidéo où un gars il avait fait ça. La meuf, elle ne calcule pas, elle n'a jamais calculé. Et elle avait fait comme de façon que quand elle est arrivée dans sa ville, en fait, parce qu'ils n'habitaient pas au même endroit, il a traversé une rue et il a dit à tous les gens, je ne sais pas, dans les gars de l'épicerie, tout ça, etc., sous le chemin, qu'il le check, il fait genre « Oh, ça fait trop longtemps, ça fait plaisir de te voir. » Et bien, il a dit « Ça switchait direct. » Ça switchait direct à la fin. « Oh là, je savais pas que tu étais autant connu, que tout le monde t'aimait comme ça. » Tu vois, ok. Les femmes sont des êtres sociaux qui ont besoin de preuves sociales par rapport aux gars qu'elles veulent dater. Enfin, qu'ont besoin. Plus tu as de preuves sociales, plus elles vont t'aimer. C'est pour ça qu'à chaque fois, elles vont demander à leurs copines « Ouais, qu'est-ce que tu penses de lui ?» etc. Si toutes ces copines te kiffent, elles vont te kiffer. Alors que nous, on s'en bat les reins. Jamais, quand tu trouves une meuf qui est bien, tu dis pas à ton gars, qu'est-ce que t'en penses, comme si tu demandais la permission, quoi. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, etc. Même si le gars, il te dit, ouais, moi, j'aime pas, ouais, t'as raison. Tu fais ce que t'as à faire, tu vois. Mais les femmes, non, c'est preuve sociale. Si tout le monde t'aime bien, elle va t'aimer aussi. Et c'est pour ça que ça peut s'exprimer par le nombre de followers que tu as, tu vois. S'il y a beaucoup de gens qui te suivent, ben, en gros, ça veut dire que tu es le gars. Ça apporte de la valeur. En gros, la femme, elle veut être avec le gars que toutes les femmes veulent être avec. Et que tous les hommes veulent devenir. Donc moi, je te dirais que les femmes sont plus attirées par ce genre de gars parce qu'elles sont hypergames. Alors évidemment que l'argent facilite tout ça. Parce qu'en général, si jamais tu as beaucoup d'influence comme ça, ou tu as des preuves sociales, ou tu es connu, c'est que tu fais quelque chose de bien, tu as une compétence. Donc ça veut dire que forcément, bah, tu as de quoi vivre, tu n'es peut-être pas le plus riche, mais tu as de l'argent. Surtout si tu as des followers, si tu t'organises bien, normalement, tu as de quoi bien vivre. Donc tout va ensemble, mais ce n'est pas genre tu as de l'argent. Parce qu'il y a des gars, ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent et les femmes, elles vont tomber du ciel. Non, les gars, ta vie, elle ne va pas changer. Il y a plein de gars qui ont de l'argent qui n'arrivent pas à gérer de meufs, en fait, sans les payer. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin sur le secret de la nature féminine, tu as Zeus en description, tu as même Funnel Tinder, qui est le best-seller, honnêtement, Funnel Tinder. Je vais te dire, tu auras des dettes en illimité. Jette un coup d'œil. Hein, pour toutes les personnes qui ont du mal à aller accoster les meufs dans la rue, hein, voilà, parce qu'aujourd'hui, tu accostes les meufs dans la rue. Apparemment, t'as pas le droit. Les féministes veulent vraiment défoncer la société. Et bref, les gars, si vous voulez aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Mets un petit j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être au camp.